Cadres et dirigeants, perfectionnez vos compétences de direction en suivant le programme de certificat en Executive Leadership offert par l'Institut de Leadership en partenariat avec Grenoble École de Management. Je crois que la première condition indispensable pour être un leader, c'est la capacité à donner une vision à ses collaborateurs. Leur donner le sentiment qu'ils sont meilleurs, leur donner le sentiment qu'ils vont se dépasser. Inspirer confiance à vos collaborateurs, les rassurer, ça c'est très important. Il doit donc être un manager, un leader qui entraîne derrière lui et qui par l'effet d'entraînement qu'il provoque est capable d'assurer la cohésion des équipes autour de son leadership. Mais en tout cas, ça se travaille et je crois beaucoup à la mise en situation comme apprentissage important. Je crois qu'on a tous beaucoup de freins et que moins on s'en met, plus on avance. Ce qui est important pour moi aussi, c'est l'exemplarité et nécessairement aussi le courage. Cette capacité finalement à faire face à l'inattendu, c'est sans doute ça qui fait un meilleur leader qu'un bon leader. Dans la vie, il ne faut jamais prendre les chemins qui descendent, mais les chemins qui montent. On peut être un très bon manager et un très bon leader, mais ce n'est pas automatique. Le simple fait d'avoir un poste à responsabilité nous met dans une obligation aussi d'apprentissage. C'est une occasion pour rencontrer d'autres gens, pour remettre en cause des schémas qu'on avait en tête et qu'on peut un peu secouer. Et donc, c'est être un peu plus vivant, en fait, de faire ce type de formation. Voyez grand. Saisissez l'opportunité de vous perfectionner et d'enrichir votre leadership en vous inscrivant au programme de certificat en Executive Leadership. Les grands leaders ne cesseront jamais d'évoluer, d'apprendre, de se perfectionner. Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi ?